Now the moment for which the stars and the crowds have been waiting, the arrival of the Queen. With her is Princess Margaret. The stars are ready for presentation to Her Majesty. Here's A.E. Matthews, that fine old veteran, and French star Brigitte Bardot, peeping round the corner, is already a favourite with British audiences. And so is Anita Ekberg from Sweden, though now, of course, Anita is British by marriage. 22-year-old Brigitte came to Britain especially for... Moi, j'étais très intimidée d'être présentée à la reine. On nous a fait faire des répétitions et tout un tas de fourbis. Fallait pas être trop décolletée, fallait pas porter de noir, parce qu'à la cour d'Angleterre, il y a que la reine qui a le droit d'être habillée en noir. Bref, il y avait tout un tas de fourbis emmerdants. Et au moment où on allait être présentée à la reine, je me suis précipitée regarder... dans les petits dressing rooms des dames, des ladies, bon, si j'avais pas le nez qui brillait, si patati patala, et qui y avait là? Marilyn. Et on s'est retrouvés toutes les deux en train de se poudrer le nez, en train de se regarder, de se dire bonjour, bonjour. Et là, vraiment, je l'ai vue de près, ravissante, mignonne comme tout, dans ces petits dressing rooms de ladies à Buckingham, juste avant d'être présentée à la reine. C'est l'unique fois de ma vie où j'ai vu Marilyn et je m'en souviendrai toujours. Je trouve Marilyn merveilleuse. C'est une femme qui a été exploitée, que personne n'a compris, qui a été... elle en est morte du reste. Je pense que ça devait être quelqu'un de fragile, sous ses apparences très sexy comme ça, bon, mais mignonne comme tout, je veux dire, on aurait dit un bébé. Elle était fraîche, belle, pure et attendrissante de fragilité. Et les gens qui l'ont côtoyée l'ont détruite probablement. Et j'ai une grande tendresse pour Marilyn Monroe. Je ne me suis pas du tout inspirée de sa façon d'être. Parce que je me trouvais tellement loin, beaucoup moins bien qu'elle, que ça me paraissait impossible de m'inspirer d'elle.